C'est un pied de la Ah ouais, j'aime bien les pièges à con. Ça y est, je l'ai buté. Yes! Bravo, bravo les mecs. Bonsoir, c'est Ragboy et on se retrouve ce soir avec le mode de jeu Arma at War. J'avais fait une annonce pour jouer avec vous, les abonnés, et on a passé une très très bonne soirée. Donc je vais réitérer la chose. Donc tous les lundis, pour l'instant tous les lundis, enfin ouais, lundi en tout cas qui va arriver, lundi de Pâques, je vous invite à rejoindre mon Discord. Donc les informations sont mises en début de vidéo, attention à la caste, donc aux majuscules et aux minuscules. Sinon, l'information se trouve dans la description, je le répète et je le redis. Donc voilà, je vais vous présenter ce mode de jeu. Donc là, on a le droit à l'interface de jeu, tout du moins une fois qu'on est mort ou qu'on veut se déployer. Donc il existe plusieurs choses. À gauche, vous pouvez donc créer votre escouade, hein, vous avez le droit de la nommer, il n'y a pas de souci, ou de changer de camp, hein, évidemment. Et puis après, vous voyez sa composition. À droite, vous voyez donc les rapports de puissance des tickets. En fait, c'est des tickets qu'il y a sous chacune des nations. Donc là, les NATO, les AAF, à 290 et 291. Le but, évidemment, comme un battlefield, en fait, c'est, ça va être le fil rouge, c'est de descendre les tickets au plus bas de l'ennemi, mais de garder les siens. Pour en terminer avec cet écran, donc vous voyez qu'à sur la droite, il y a les rôles, donc Rifleman, Officier, Médecin, Automatique Rifleman. Bon bref, je ne vais pas vous tous les lire. Tout simplement, ils ont tous des fonctions différentes. L'Officier peut poser des rally points à différents endroits. Le Médecin verra là où il y a les morts à distance et pourra les soigner et les ressusciter, disons, plus rapidement. Bon, l'Automatique Rifleman, je vous fais pas un dessin. Pareil pour Marksman, Grenadier, Démolisseur. Ingénieur, ça va être important dans le sens qu'il va pouvoir sûrement réparer les véhicules et les véhicules coûte des points à vous comme à votre adversaire. On a perdu une partie parce que les adversaires avaient descendu nos véhicules et ça nous a coûté des points. Voilà, donc c'est important. Le LAT, lui étant le contraire, va permettre avec sa roquette de détruire les véhicules adverses et donc de baisser leurs points. On va se retrouver en partie pour 2-3 autres informations. Alors quelque chose que je ne savais pas au début, en fait, tout au début du jeu, c'était la possibilité de poser une FOB. Allez vers le drapeau et donc faites molette de la souris, vous verrez qu'il est il est possible donc de faire spawner différentes boîtes, des boîtes de munitions, de supports, de plein de choses, tout ça. Bon, en fait, pour tout vous dire, on meurt quand même assez vite et on ressuscite quand même assez vite, ce qui fait que ce type de boîte-là n'est pas forcément évidente parce qu'une fois qu'elle est posée au sol, bah, on peut certes encore la bouger, mais je veux dire, c'est beaucoup plus difficile d'établir un point de capage. Donc, cette boîte-là, c'est la FOB. Vous la transportez, vous la mettez dans votre camion et après, vous vous déplacez là où vous le souhaitez et vous la déployez. Tout simplement, il faudra la déployer. Donc, cachez-la parce qu'elle peut être détruite par les adversaires. Et donc, ce que je vous invite, c'est de la cacher entre deux points. Il y a suffisamment de végétation, tout du moins sur cette carte-là. Il y en a deux autres à tester. On va le faire avec vous lundi prochain. Et donc, le rally point, c'est pareil. Ça peut être détruit. Donc, cachez-la. C'est très important. Vous voyez, elle a été posée à l'abri des regards. Quant à lui, le système de soins est vraiment basique, hein. Vous pouvez donc ressusciter un ennemi jusqu'à... il peut perdre quand même la vie et vous pouvez pas le ressusciter, donc il a un certain... Il n'y a pas vraiment de timer, mais en tout cas, s'il prend trop de dégâts, il va mourir. Vous pouvez aussi soigner les personnes, donc il faut rester appuyé sur la touche Hunter, ça vous immobilise vous, l'allié aussi. C'est effectivement basique, mais c'est quand même assez contraignant. On n'est pas vraiment avec un kit de soins, puis basta, tu te restaures. Hein, on n'est pas non plus dans le X-Med 6, ni dans Ace 3. Voilà, on a fait le tour à peu près du jeu. Au niveau communication, il n'y a pas de radio intégrée. Task Force Radio n'est pas pris en compte. Donc on travaille avec le Discord actuellement. Enfin, on joue avec le Discord. C'est vrai que tout le monde nous entend sur la carte, tous ceux qui sont du même groupe que nous, qui sont avec nous sur le Discord. Mais on a réussi à avoir une très bonne cohésion d'équipe et à remporter des parties, à retourner la chose. Les AMFR ont fait aussi la même chose. Ils ont réussi à s'entendre et à nous retourner la situation pour nous gagner. Je vous laisse là avec un petit peu de gameplay bien sympatoche. Allez, à ciao, à la prochaine. Je pense pas que ça soit utile. Voilà, comme ça on fait un barrage avec le camtar. Tout le monde dans l'église.
Allez, tout le monde dans l'église. Et on cape. Ouais, Claude, il est déjà en train de se confesser, là. C'est bon, vous avez tous votre missel. Vous pouvez écouter Hamza pour son homélie. Je crois en toi, mon Dieu. Le corps du Christ. Ah, il y a une grenade qui est fumigène. C'est qui a balancé ça? C'est toi, c'est... S'il y a une grenade à l'intérieur de l'église, on est bien. Ouais. Mec, c'est là. Oh putain. Mais non, ça fait laguer, arrêtez. Ah, ça fait laguer. Attends, bouge pas. Non, vous êtes bien dans votre petite église là. C'est soirée mousse. C'est soirée mousse. Là, avec tout ce qu'on fait, le mieux c'est que le mec il balance une grenade explosive. Oh, le RP Alpha est compliqué. J'aurais dû me dire, j'en ai acheté une. Par contre, putain, il me reste encore des rouges maintenant. Oui. Bon, c'est bon. Maintenant, j'attaque les RGO. Je vais faire gaffe. Oh, attends, je pense que j'ai un ennemi... un FBO ennemi. Oula. Ça tire de l'extérieur, diront du nord. Ouh. Ouais, bah, je pense tout le monde. Mais on va... Ouais. Oh, putain, les salauds. Regardez. Ils recapent. Je réanime vous. Oh, je suis touché. Putain. Ouais, on a. C'est vrai qu'on a fait les boulets là. J'avais dit qu'ils avaient grenadé et ils ont grenadé. Oh, bon, fallait bien leur laisser une petite chance quand même. Putain.